Hey, hey, hey! Me revoilà pour la suite de Mass Effect Andromeda. Dans le dernier épisode, nous avons retrouvé le Lusignan qui était en train de voguer à travers le fléau. Apparemment attaqué par un gros reliquat, dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. On va sans doute le croiser très bientôt. On va donc essayer de sortir le Lusignan de la galère pour arriver à le rallier au Nexus. Ensuite, parce qu'à mon avis, on se rapproche de la fin de cette quête-là, on verra ce que le jeu a d'autre à nous proposer comme quête secondaire, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok si vous voulez voir davantage de contenu. Sur YouTube, toutes les rediffs. Sur TikTok, un extrait chaque jour, des moments sympas. Chaque jour à 7 heures, un jeu différent chaque jour de la semaine, les moments où je râle et je rage et j'ai peur et je dis des conneries et je fais des conneries, tout ça, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à me suivre, laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et à part ça, l'actualité de la vie, il n'y en a pas. Chrissy a pris son dernier médicament ce matin, elle est joie, je ne vais plus devoir me battre avec elle, c'est plutôt cool. Les autres chats vont bien. Drago a failli éclater mon modem par terre quand je suis rentrée des cours ce matin. Heureusement, le modem a tenu bon. Sinon, je ne serais pas là car mon internet se serait enfui avec le chat. Je crois que c'est tout. On va reprendre le jeu. Alors, on doit débrancher les câbles d'alimentation. Excusez-moi. Près de Vederia, je débranche le premier câble. Deckard, surveillez le générateur. On s'en occupe. Mais on a besoin de vous, Vederia. Vous pouvez y arriver. Attention à la vitre. Vous en faites pas. C'est bon. Bien, câble suivant. C'est quand vous voulez. Deuxième câble. On y est presque. Abattez-les. J'essaie de mettre mon téléphone droit. Dernier câble. Encore une attaque. Ils sont désespérés, Ryder. C'est sûrement les derniers. C'est fini pour les cartes. Le générateur peut maintenant être désactivé.
Et je l'avais su plus tôt, je n'aurais pas été aussi solitaire. Plus de bruit. Enfin. Coque de merde. Un petit bombardement et elle tombe en miettes. Ici le capitaine Atandra. Ryder, le propulseur redémarre, c'est bon. Quelques minutes et on dégage. Je me reposerai quand on sera sur le Nexus. C'est sage. Pour l'instant, les capteurs n'indiquent rien. Ici Sarissa. Bravo à tous. On est presque à la maison. Moi, je le sens que ça va être l'attaque du c'est gros machin. C'est terminé. Je vais les rejoindre. Elles pourraient avoir besoin de moi. Vous avez aidé à sauver l'Arche. Pas mal pour votre première mission importante. Sarissa peut être fière. Vous ferez une excellente guerrière d'élite. Vous êtes bien placée pour le savoir. Merci pour tout. Que la déesse vous guide. Pionnière, le rétablissement du courant a libéré un cache de données dont le registre de succession de la matriarche Ishara. Tu peux y accéder ? C'est de vous dont j'ai besoin, pas des données. La barrière va céder. Ishara, ils vont mettre l'arche en pièces. Ces données, c'est la seule chose qui peut nous faire gagner du temps. Attention, renfort clair ton approche, pionnière Ishara. Sarissa, mon Samne, Tiamna, pitié! Je dois les sauver, même si je ne peux pas vous. Pardonnez-moi. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Tiamna voulait dire gardienne des temples. Une protectrice qui restait loyale en toutes circonstances. Sarissa l'a abandonnée. Elle n'a pas les choix, j'en sais rien. À quoi sert une gardienne qui n'est même pas capable de protéger sa pionnière ? Après tout ce qu'elle a écrit sur le devoir, le sacrifice. Merde, Ryder. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, on... On lutte contre le gros bestiau qui nous attaque ? Ici Atandra, les chasseurs Kert nous ont pris par surprise. Un transporteur se dirige vers la brèche du pont 12. Combien de temps avant le SLM ? Trop longtemps. Sarissa arrive. Repoussez-les ! Tout le monde met son casque. Attention, le générateur de champ gravitationnel est toujours connecté. Son activation à distance risque d'affecter la pesanteur locale. C'est bon à savoir. Cool. Oui. Accrochez-vous. On a des renforts. Elle sera jugée comme les autres.
volonté de la décimation. What? Je me suis fait démolir là en fait. J'étais bien pourtant. Merde. Ah, faut tout recommencer. Dim. Attention, le générateur de champ gravitationnel est toujours connecté. On prendra pas très attentif. Son activation à distance risque d'affecter la pesanteur locale. C'est bon à savoir. Accrochez-vous. On a des renforts. Effectivement, c'est pas on a des renforts, c'est ils ont des renforts. Je chercherai la lumière. Si je l'avais su plus tôt, je n'aurais pas été aussi solitaire. La décimation sera ici le refus. J'aurai ma proie. Ça, ça doit être le vaillant. Abattez-le! Mais j'ai toujours la tête haute barre. Je dois gagner du temps, je t'écoute pas. Le sautain, c'est que je parle. Je me sens seule, je me sens bien, je me sens fort calme. Voilà. Changement de plan. Détruisez l'arche. Tuez les tous. Sarissa. Il nous tire dessus. Comme la bataille de Kharkis. On a une chance. Lieutenant, vite! Techniquement, je devrais pouvoir aider aussi, hein. Quoique, j'ai pas débloqué la barrière. L'équipage est très réduit, mais ça devrait suffire. L'arche atteindra le Nexus. Quel qu'en soit le prix. Vous devez parler à Sarissa du message d'Ishara. Je voulais vous remercier. Vous avez fait un travail exemplaire. Je suis fière de... Madame. Sarissa, on sait pour Ishara. L'archive demeure ? Ces derniers instants sont donc préservés. Vous avez abandonné votre pionnière ! Vous valiez mieux que... J'ai choisi de sacrifier une vie pour en protéger beaucoup d'autres. C'est ce qu'on m'a appris à faire, lieutenant. Mais vous ne leur avez rien dit. Sinon, vous ne seriez plus leur grande héroïne. Et ce serait peut-être mieux comme ça. Mon rôle de pionnière, c'est leur donner de l'espoir. Ryder, vous le savez, n'est-ce pas ? Il faut les mettre au courant. Laissez-les décider. Ryder, Korra, ne faites pas ça. Je suis pour l'honnêteté et la transparence. Du Nexus. On a une sacrée histoire à raconter. Ce n'est pas tout.
Sarissa a préféré sacrifier la vie d'Ishara pour avoir les données d'Eckert. Notre Sam a trouvé la preuve. Vous, Ishara est morte à cause d'une de vos idées insensées. Les Kert l'ont tuée. Je devais être sûre que l'Arche leur échapperait. Et on leur a échappé. Encore et encore. Ils nous pourchasseraient toujours si on n'était pas tombés sur Ryder. Qui est la suivante ? Vederia ? Peut-être qu'une bonne pionnière a besoin d'humilité. On en a un exemple avec Ryder. Attends, mais Vederia, c'est une enfant. Pourquoi c'est moi qui dois décider ça ? C'est pas mon peuple. C'est pas mon peuple, c'est pas mon vaisseau. Elle s'en sortira ou Sarissa aura ses pionnières. J'en sais rien. Oh, allez, vas-y, elle s'en sortira. Je me suis débrouillée. Vederia y arrivera. C'est pas je faux. Je vous ai protégée contre les Kert. Vederia n'en est pas capable. Elle n'est pas... Une chasseresse sans la confiance de son équipe est seule. Elle est comme un arbre dans le désert, avec un air de défi. Mes propres mots, lieutenant. Et ils disent vrai, madame. J'ai. Partons. Elles sont tirées d'affaire. C'est tout ce qui compte. Mais ouais, elle pouvait pas rester pionnière. Elle a perdu le... la confiance de son équipage, là. Hey, tout va bien ? Je non, pourrais refaire bien. Cette journée du début. En évitant de déposséder une pionnière de tout ce qu'elle aime. J'avais tellement foi en Sarissa. Mais au final, les Asari sont aussi perdus que nous. On connaît notre mission. Je pense qu'on sait très bien où on va. Évidemment, je parle à une pionnière, après tout. Merci d'avoir été à mes côtés sur le Lusignan. Je peux vous dire quelque chose ? Non. Bien sûr. Le vieux a bien fait de vous choisir comme pionnière à ma place. Pardon. Je ne trace pas ma propre route. Je cherche toujours un mentor pour me guider. Si j'avais été pionnière, j'aurais fait des erreurs pires que celles de Sarissa. Vous en avez fait beaucoup de quoi d'erreurs ? Et si c'est le cas ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je ne sais pas encore. En attendant, vous êtes toujours la bienvenue à bord. Écoutez, ni vous ni moi n'avons choisi tout ça, mais on était peut-être censés se retrouver là. Même si votre père y est resté, ce qui est fait est fait. Si on ne peut pas s'en défaire, autant s'en servir. Qu'est-ce que vous... Hein ? Votre père a dit un truc de ce genre une fois, et c'est toujours vrai. Je dois réfléchir un peu à tout ça, mais ça ira. Je serai là si vous avez besoin de moi. J'ai gagné la loyauté de Cora. Est-ce que du coup j'ai quelque chose à lui dire ? Ryder ? Apparemment, non. Je ne bouge. Bon, j'allais directement par là, j'ai quand même regardé le terminal au cas où il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Cora. Je le pense sincèrement. Merci, je suis encore en train de faire le point. Mais parler avec vous m'a énormément aidé. Vederia va avoir besoin de soutien. Un, deux, trois. Vederia va avoir besoin de soutien. Difficile de succéder à Sarissa. D'autant plus que Vederia n'a pas encore terminé sa formation. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Je suis certaine qu'elle apprécierait de discuter avec vous si vous ne l'avez pas encore fait. En attendant, on a des sales types à allumer. Cora. Le lieutenant Ilaria. Bonjour Ryder. Vous vous souvenez de moi, Ilaria. On a discuté dans votre avant-poste quand j'occupais les évacués. Quand je m'occupais des évacués de notre arche. Mais tout ça est terminé. On rentre. Maintenant que le Lusignan a rejoint le Nexus, ils ont assez de gens et de navettes pour nous rapatrier. Il paraît que tout ça n'aurait jamais été possible sans vous. Je
peux bien le croire. Merci pour tout. Lieutenant Edaria. Je crois que c'est celle qu'on avait croisée, je sais plus où. Donnez Sam concernant le docteur O'Keir. Analyse des informations téléchargées depuis le terminal du docteur Gennard. Résumé des résultats, les ajustements du rétrovirus sur le dernier groupe de soldats ont abouti à un taux de réussite de seulement 8%. C'est loin d'être suffisant. Dans ma colère, j'ai détruit plusieurs réservoirs. Je vais recommencer. Je suis déterminée à créer le Krogan parfait. Un super soldat à la puissance extraordinaire. Un docteur nommé Gennard a sollicité une consultation de ma part sur un remède potentiel au génophage. J'ai décliné. Pourquoi toucher à la médiocrité quand on peut viser l'excellence? Un cerveau reliquat. D'abord utiliser la batterie du nomade. Ne dites pas Gil. Rien. Un champ gravitationnel avec des pouvoirs biotiques. Cora m'a aidé. Toujours rien. Du coup, j'en ai parlé à Jal. Et je lui demandais de faire son numéro de bioélectricité. Jackpot. Tout s'est allumé. J'ai tout enregistré sur mon Omnitech. Vous avez déjà vu des synapses s'activer? C'est pareil. Ce noyau de données est un vrai petit cerveau reliquat. C'est cool, non? Par contre, je sais pas exactement comment je vais m'en servir pour accéder aux données. Bips. On est en orbite stationnaire. Alors, donc là, c'est fait. Je peux aller là. Regardez-moi ces relevés. Ce système est magnifique. Et comment? C'est une pouponnière d'étoiles. Elles naissent ici. Là, il n'y a rien. Pourquoi ça reste affiché le... la pionnière Asari? Les capteurs montrent une anomalie. Sonde déployée. Pas ça. Sonde larguée. J'essaie d'avoir un scan. Le trou? Le trou. Sonde déployée. On a un cratère. Non. Nope, nope, nope. C'est... l'Arche Turienne. Elle a connu des jours meilleurs. Appel entrant. Pionnière, je crois qu'on est sur la bonne piste. Sans blague. On peut monter à bord sans risque? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vous retrouve à l'intérieur. Ok. Et là, il y a quoi? Ok. Je vais d'abord aller sur le Nantonos.
Cora, elle dégage. Presque plus d'énergie. Les systèmes de survie HS. C'est un miracle qu'on ait encore de la pesanteur. Ça doit être pénible à voir. Je ne suis pas du genre à faire du sentiment, Ryder. Quand même. Contentons-nous de retrouver ma scène. H047C. C'était censé être le nouveau foyer des Turiens dans Eleus. Comme l'habitat 7. La personne qui pilotait l'Arche tenait absolument à arriver ici, quoi qu'il en coûte. Même si ça impliquait d'éjecter des parties entières de l'Arche. Ça ne tient pas debout. Venez, les suppositions ne nous mèneront nulle part. On a de la chance que cette partie de l'Arche est sur... Vécu. Ne vous fiez pas aux apparences, pionnière. La coque est en mauvais état. Merci, Sam. Toujours là pour me réconforter. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Cette porte a encore du courant. Je vous déconseille de l'ouvrir, pionnière. Elle donne sur l'espace. Vous pourriez peut-être dévier le courant vers une autre porte. Le courant a été dévié, pionnière. Celle-ci a encore du jus. C'est dans un sale état. Votre Sam pourrait y accéder, vous croyez? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. J'ai trouvé un enregistrement de D.A. Preyton, le capitaine de l'Arche. L'image est corrompue, mais je peux récupérer le son. Écoutons-le. Le Natonos se désagrège. La salle cryogénique est à moitié fichue. J'essaie d'évacuer tous les passagers conscients. Par les esprits. On n'a plus le temps. Trouvez ma scène. Dea était en train d'abandonner le vaisseau. La situation devait être désespérée pour qu'elle décide de partir. Le Natonos n'est pas arrivé ici tout seul. Il faut qu'on découvre ce qu'il s'est passé ensuite. Les autres données de cette console sont corrompues. Il faudra en trouver une autre. Ou le bloc Sam de l'Arche. Très bien. Poursuivons les recherches. Celle-là a aussi besoin de courant. On peut peut-être faire la même chose qu'avec l'autre porte. Dévier le courant d'ailleurs. Bon, on n'ira pas par là. La porte devrait maintenant être opérationnelle, pionnière. Stabilité cryogénique, mise à jour, Avitus Rix. J'ai reçu confirmation qu'à l'exception du commandement des équipes affectées au système de survie, tous les passagers sont entrés en cryostase et dorment profondément. Chakana est à présent en route pour superviser la fermeture de vos modules. Si vous n'avez pas encore mis vos uniformes, je vous invite à le faire dès maintenant afin que l'Arche puisse partir dans les temps. Une fois tout le monde en sommeil, j'effectuerai une dernière ronde de vérification avant de vous rejoindre dans l'abysse. Capitaine Dea Preyton, personne n'a essayé de quitter le bord... Au dernier moment, je ne sais pas si je dois être impressionnée ou anxieuse que tout le monde se montre aussi confiant en cette mission. Ne veillez pas trop longtemps, Rix. Vous serez un vieillard à notre arrivée dans Eleus, sinon. Avis, Jacana dit que tu pouvais t'occuper de la fermeture de mon module. Je sais que j'avais promis de suivre le protocole, mais je tiens à ce que ton visage soit la dernière chose que je verrai avant de quitter la Voie lactée. Tu n'auras qu'à passer un savon pendant que tu me mettras en cryo. A tout de suite, mécène. Thank you.
Titus, par ici. Celui-ci fonctionne encore. Sam, le mode... Massen, relancez-le. L'image de cet enregistrement aussi est corrompue. Et le son? Je le répare. Un instant, je vous prie. On va le retrouver, Avitus. Massen, c'est notre pionnier. Mais pour moi, il est bien plus. Je lance l'enregistrement sonore. Sam, le module ta vie est loin d'ici. 300 mètres. Une promenade de santé. Bon sang, j'ai parlé un peu vite. Et la suite? C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Oh, calme-toi. Merde. Il cherchait votre module. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit, avant votre réveil sur Avarl? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant que je m'extirpe de mon module de stase. Alors continuons à chercher. Cette porte mène au bloc Sam. Il faut qu'on l'ouvre. Surprise, c'est verrouillé. Le bloc Sam devrait maintenant être accessible. Sam, où est le pionnier? Où est ma scène? Avi. Commence. Étoile. Avi? C'est comme ça que Massen vous a appelé, non? C'est la seule personne qui m'appelle comme ça. Mon homologue a subi un grave traumatisme. Si je parviens à compartimenter les dégâts, il devrait pouvoir nous parler. Fais attention. Pas question de perdre ce Sam parce qu'on s'est précipité pour avoir des réponses. Avitus Rix, bienvenue chez vous. Sam, Massen m'a envoyé les coordonnées de cet endroit. Il faut que je le retrouve. Vous faites erreur. C'est moi qui ai envoyé ces coordonnées. Oh, chagrin. C'est toi qui as envoyé les coordonnées? Comment ça? Le pionnier m'a donné l'ordre d'aider Avitus à trouver un foyer pour les Turiens. J'ai localisé notre destination, H047C, puis j'ai cherché Avitus. Mais pourquoi Massen aurait fait ça? C'était sa dernière volonté. Ce truc déconne encore. Il raconte n'importe quoi. On devrait pouvoir accéder au registre de Massen. On y trouvera peut-être des réponses. Avi, un morceau du truc qu'on a touché a déchiré ma combinaison. Ça fait mal, mais pour ça, c'est magnifique. Il faut que tu continues, pour nous deux. Ne te laisse pas emporter par ton tempérament. Sam, commence le transfert. Oui, pionnier. Même les étoiles brillent plus fort. Il est mort avant la fin du transfert. C'est sans doute l'origine du traumatisme de Sam. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Quel intérêt? Pour terminer le transfert, les Turiens ont besoin d'un pionnier. Je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Je ne pensais pas devoir prendre le relais un jour. J'ai toujours travaillé seul. Je n'ai rien d'un meneur. Je ne veux pas être un meneur. Avitus, je vous ai vu défendre des colons. Vous avez retrouvé l'arche turienne. Vous avez déjà endossé le rôle de pionnier. Il ne vous en manque que le titre. Ce titre revient à Massen. Et il voulait vous le transmettre. Ce n'est pas en refusant que vous le ramènerez. Et si je le décevais? C'est ce qui arrivera si vous fuyez vos responsabilités. Et merde, vous avez raison. Dois-je commencer le transfert? Ce sera plus sûr à bord du Nexus. Souvi, demandez à Tan d'envoyer une navette pour récupérer le bloc Sam. Dites-lui qu'on a trouvé le pionnier turien. C'est triste. Bonjour. Salut. Alors, les modules de stase de l'arche turienne de Jaruntan. Une équipe menée par Avitus Rix part récupérer les modules de stase de l'arche Natonos. Une mission qui semble avoir redonné à Avitus tout son enthousiasme. Si tout se déroule comme prévu, nous apprêtons à sauver la vie de 15 000 Turiens. Ce n'est pas rien. Un monde cassé, n'importe quoi. De l'IAM.
On ne peut pas tout réparer. L'environnement, c'est une chose, mais une planète en ruine, on ne fait pas moins monde en or que ça. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti la première fois qu'on a vu l'Habitat 7? J'imagine pas ce que ça aurait été de se réveiller dans un désert de roches. Gus fait des ajustements à Prodromos, comme tous les membres de l'initiative. Et Véran passe le mot parmi les siens. Les Turiens vont avoir des maisons à reconstruire. Je n'ai jamais aimé le concept. Une planète par arche. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Costa. Yama joint un message vers Media sur le thème du réveil, dans les documentaires sur le mouvement du retour à la Terre, adapté à l'échelle interstellaire. Ainsi que plusieurs remakes d'une histoire à propos d'un jour qui se répète à l'infini. On va aller sur H047C. Et dans celui-là, faut que j'embarque Vetra. Désolé, Jal. Mais j'ai une préférence pour mon Krogan. Waouh! Regardez ça! Le fléau a imposé sa marque ici. Hein? Quand on pense que c'était censé devenir la planète des Turiens. Maintenant, les exilés l'ont envahi. Les radiations cosmiques sont extrêmement élevées, Ryder. Vous devrez rester dans le nomade. À quoi ça sert d'avoir des combinaisons high-tech si elles ne bloquent pas les radiations? En situation normale, elles les bloquent. Mais le champ magnétique de la planète, il a été perturbé quand elle s'est ouverte. Les combinaisons ne vous protégeront pas contre un rayon cosmique capable de décomposer vos molécules. Donc, okay. On reste dans le nomade. Amorçage de la descente. Bonne chance, Ryder. Vous vous souvenez de toute l'activité avant le départ des Arches? Tout ça pour un coup de poker dans une galaxie inconnue. Je me suis pris un chargeur en pleine tronche. La pesanteur est plus faible que celle dont on a l'habitude, pionnière. Gil dit que vous ne risquez pas trop d'atteindre la vitesse de libération par hasard. Avec moi là-dedans, aucune chance. Ça va, mon chachou. Sam, qu'est-ce que c'est que ça? Un dôme minier, pionnière. Une fois à l'intérieur, vous devriez pouvoir descendre du nomade. Et les radiations spatiales? La structure du dôme empêche les rayons cosmiques d'entrer. Coucou, ma Chrissy. Activité. Un minéral inconnu a été détecté, pionnière. C'est ma petite Chrissy, jolie. Cher connard, va pas croire que tu peux sauver ta peau en allant te planquer au milieu de nulle part. Tu me dois encore 80 000 crédits. Et je compte bien les récupérer.
Si je dois me traîner jusqu'à ton trou à rat pour te faire cracher mes crédits, je le ferai. J'espère que tu t'en mets plein les poches là-bas, parce que quand tu reviendras, t'auras des comptes à me rendre. Hé, tu es parti sans dire au revoir, tu reviens, non? J'ai fait quelque chose? Un jour, tu me diras que je suis l'homme qu'il te faut, qu'on devrait se poser sur Kadara et profiter de la vie. Et le lendemain? Bon, un jour, tu me dis je suis l'homme qu'il te faut. Bon, c'est pas grave, prends le temps qu'il te faut. Fais ton gros coup comme tu voulais, je reviens, je bouge pas et je t'attendrai. Ne pas répondre, reçu automatique. Merci pour vos achats. Fusion Asari, volume 5. Non, ça je m'en fous. Message pour Alvis. Le sol est riche en hélium 3 sur ce site, mais je pense qu'on l'épuisera rapidement. Une fois qu'on aura terminé ici, rentrez à la base. Craig s'ajoutera au stock. Ce que vous aurez pour recevoir le nouveau code d'accès, c'est 63 tatata, données corrompues. Ils extraient de l'hélium 3 ? Le principal composant du carburant utilisé pour les navettes pionnières. Il peut également... ...en servir à la fabrication de puissants explosifs. Il manquait plus que ça, des exilés munis d'explosifs. Il faut qu'on entre dans cette base. Le code fourni est incomplet. Les données de la zone indiquent d'autres dômes miniers. Bah oui, t'avais peur. J'ai ajouté leurs emplacements sur votre carte. Fallait pas faire tomber mon téléphone. Ah là là. Ah là là, ma crapule. Tu roules. Tu roules, mon cher. J'en ai plus qu'un. J'ai toujours été d'autre part. Je dois gagner du temps, je t'écoute pas. Ils ont compris, ils se taisent et que je parle. Je me sens seule, je me sens bien, je me sens haut de gamme. Qu'on a trouvé parler d'un certain Craig. Une idée de qui ça pourrait être? Ça ne me dit rien. S'il est dans le coin, il pourrait être dangereux. Mon petit Jacques, il roule. Je vole! Oui! Ça m'amuse beaucoup. Et je l'avais su, pas être aussi solitaire. J'ai toujours la tête au bas. Je dois gagner du temps, je t'écoute pas. Ils ont compris, ils se taisent dès que je parle. Je me sens seule, je me sens bien, je me sens haut de gamme. Da 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 da. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière.
là. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. C'est bien des minéraux que je dois scanner. Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutés à votre système de navigation. Je pense que ça, donc, c'était prévu. Attendez, vous êtes le père de Cash ? Ton grand-père. Mon grand-père. Elle vous a parlé de moi ? Pas exactement, mais il lui arrivait d'évoquer un vieux fossile têtu, en jurant et en tapant du poing, généralement. Un vieux fossile têtu ? Pouah, elle m'en a sorti des bien pires. Bah oui. Petit chat qui roule. Mon tout petit chat qui roule. C'est pourquoi tu me regardes comme ça. Tu veux me manger ? Vous pouvez entrer dans le sas avec le nomade pionnière. Oui, bah seconde, je vole. Comme un aigle royal. Je vole au-dessus des lois. Je vole à la barbe des gardes, ça barde quand je chaparde. La loi, vous pouvez faire payer tout ça. Un minéral inconnu a été détecté, pionnière. Alors, excusez-moi, moi, c'est ça qui m'intéresse, pas les combats. Complète ma base de données sur les minéraux. L'IV de géophysique fonctionne à performance maximale. Lucan sera ravi de voir que son bébé marche à merveille. L'IV n'est pas son enfant, pionnière. C'est une façon de parler. Laisse tomber. Profil connecté, Kathleen Pierrot. J'ai eu tort sur toute la ligne et dire que j'ai failli tuer Baxter. J'aurais condamné toute l'équipe. Tous ces soldats et vaisseaux Kert qu'on n'arrête pas de croiser, il suivait le signal qu'on a utilisé pour retrouver les casiers de l'Arche Galarienne. Notre équipement et nos balises n'étaient ni plus ni moins qu'un phare pour eux. Baxter a pris le fusil de Marcus et a fait sauter l'émetteur récepteur au moment même où un énorme vaisseau Kert est apparu juste au-dessus de nous. Je l'ai tiré dans la jambe avant de me rendre compte qu'il venait de nous sauver la vie à tous. Une fois à l'abri, Marcus a mis la jambe de Baxter dans une attelle et je lui ai présenté mes plus plates excuses, ainsi qu'un contrat. Je crois qu'il a dit merci. Je vais lui coudre son badge de bourlingueur moi-même, c'est le moins que je puisse faire. On va se contenter d'utiliser l'équipement de Baxter pour l'instant. L'initiative aura plus de mal à nous retrouver, et les cartes aussi. On va s'en sortir. Il faut juste qu'on serre les coudes. Le casier contient les effets personnels. Il est enregistré sur le Parcero. Le Parcero. Je viens aux nouvelles comme convenu. J'ai trouvé un site riche en hélium 3, je pense qu'on peut l'extraire encore quelques semaines. Ok. Ça vient de... Ce Krex doit être responsable de l'extraction d'hélium 3. C'est lui qu'on doit arrêter. Le code est toujours incomplet, pionnière. Il manque un fragment. Ouais, mais c'est bon. Tiens, t'es peut-être un tireur d'élite, mais moi... Je suis une biotique. Oh. Je suis à combien de temps ? 50 minutes. Sam, j'ai besoin d'infos sur la base des exilés. Tu as quelque chose ? La base se compose de deux dents miniers. L'accès au second est protégé par un code. Je détecte également plusieurs fréquences provenant de la zone. Ils communiquent avec Kadara. Ok. Bon.
On va faire un petit cut ici. Pour pas avoir des épisodes trop longs. Oh là là, j'ai beaucoup de points. Entraînement, pas mal. Dégâts de pouvoir. Durée de vol, précision des armes en l'air. Résistance aux dégâts pendant l'esquive. Je suis en train de me dire que j'esquive jamais, je suis trop conne. 20% des attaques sautées, ça. Bonus des dégâts des dénonateurs. Résistance aux dégâts dans les airs, 100% vol stationnaire. Bonus corps à corps, bonus corps à corps. Bonus corps à corps. J'aime bien tirer en l'air, je trouve ça un peu rigolo. Fusil de précision, je m'en fous. Ça, c'est à fond. Les autres trucs, c'est pas du passif, ça ne m'intéresse pas. Ça. Compétence passive. Améliore le contrôle des champs gravitationnels pour l'utilisateur. Il permet de manipuler les ennemis et les objets de façon égalable. Durée des effets. Pour son bouclier. Pour son 1. Hein. Capacité de poids des armes. Bouclier maximum qui a un effet biotique actif. Allez. Rapide cut, avant de relancer un épisode, avant le retour de mon amoureux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok si vous voulez voir davantage de contenu. Sur YouTube, toutes les rediffs bien rangées dans des petites playlists. Sur TikTok, un extrait chaque jour, des moments sympas. Et je n'ai pas d'autre idée de choses à dire, donc c'est avec une petite pensée pour ma carouette adorée qui me manque que je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Qui pour moi ne sera pas plus tard que maintenant. Bye bye!